Bonjour à tous, aujourd'hui on s'incruste chez DFDTZ pour la seconde fois, mais c'est une fois un peu spéciale puisqu'il y a une mission particulière qui a été réussie. Avec moi j'ai Green. Salut Green. Salut, salut à tous. Salut Philippe. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Alors, explique-moi un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la team, que tu m'as demandé, viens filmer, on a réussi une mission. Bah, oui, puisque la dernière fois, on s'était quitté, on disait oui, la prochaine fois, tu reviendras quand on fera peut-être en live aussi les attaques et tout. Et je te disais que la dernière fois, on s'essayait à attaque massive. Et donc, on n'y arrivait pas, on n'avait jamais réussi même. Même des fois, on perdait beaucoup de points par rapport à un pass. Et surtout, ça nous coûtait beaucoup de renseignements. Mais on a insisté et figure-toi qu'on est tombé sur un tirage un peu facile et qu'on a bien réussi. Du coup, on a réussi notre première attaque massive. D'accord, bon, on va regarder ça tout à l'heure. Tu nous représentes un petit peu la team pour rappeler un petit peu des FDTZ? Ouais, donc il y a quelques joueurs qui sont en vacances. Du coup, là, ce n'est pas exactement les mêmes joueurs que la dernière fois. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a aussi des joueurs qui viennent nous dépanner. Ça tourne et au final, on est toujours 10, 10 joueurs différents, en fait. On n'utilise pas trop de comptes alternatifs comme peuvent faire d'autres équipes. Donc, du coup, on a celui qui a le plus de médailles et que je trompe toujours dans sa prononciation. Il s'appelle en fait Poenon, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'était pas P1. C'était pas Pee-wee comme je l'appelais, Pee-wee. effectivement. Il m'a reproché, il m'a dit, ah, t'as saccagé mon pseudo. En fait, il s'appelle Pwe-1. Pwe-non. D'accord. Moi, je continue de l'appeler Pee-wee, en vrai. Après, on a Shadow, qui est en fait Yuki, une des deux filles de l'équipe. Donc là, c'est toi, Philippe, 5-4-3-2 As. Mais celui qui est sorti en ce moment, c'est Seb. Lucent Seb. Et il y a aussi Lanois qui nous aide en ce moment. Donc Lucent Seb et Lanois sont deux joueurs qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. D'accord. Et je ne sais pas encore s'ils veulent rester longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, ils nous aident super bien. Et ils étaient là au moment de la réussite sur Attaque Massive. D'accord. Donc après, on a QSD, qui est là depuis le début. Donc c'est un joueur avec lequel je joue depuis le début à ce jeu, en fait. C'est le seul joueur. C'est le seul joueur qui me supporte encore. Donc après, il y a moi. Ensuite, il y a Temil, donc qui est Alex, qui est aussi connu avec le pseudo Oz. C'est un joueur qui a fait pas mal d'équipes, qui est assez connu, en fait, je pense, dans le groupe BBF. Il fait souvent des helps. Enfin, un peu moins dernièrement, je crois. Mais... Donc je pense que les gens le connaissent. Pareil, on a Bébé Bambou, que j'appelle juste Bébé. Et qui est là aussi depuis un petit bout de temps maintenant, donc un super joueur aussi et qui a fait d'autres grosses équipes, donc qui est aussi connu, je pense, sur le BBF. On a Gotaga Gorp, qui est Roms, qui a renommé son pseudo. Je crois qu'il était déjà renommé la fois d'avant, donc maintenant on va l'appeler. C'est pas le vrai Gotaga, hein, le streamer D'accord. du joueur, c'est juste un fan de ce streamer. Et qui était parti il n'y a pas très longtemps et qui est revenu, du coup ça fait plaisir. Je crois qu'il n'était pas là la dernière fois qu'on a fait le stream, donc là il est revenu et donc c'est cool. D'accord. Je crois qu'on va pouvoir voir un joli fail de sa part ce soir. Wow. Et on a Croque-Mou qui est Dragon, un autre joueur qui s'appelle Alex aussi et qui est aussi connu sur le groupe BBF. Il a beaucoup de comptes et il est dans la plupart des équipes. D'accord. Très bien. Donc tu nous as dit deux filles, donc il y a Shadow et... Et il y a Juju qui est actuellement en vacances, donc qui n'est pas Ah, là dans voilà. l'équipe. Oui, parce Mais qui que... vient tous les soirs, parce qu'elle est censée en vacances au bord de la piscine, mais on la voit tous les soirs venir nous faire quelques renseignements et jeter un petit peu le résultat de l'opération. Oui, Donc elle garde parce un que... œil sur nous. D'accord. Ouais, elle m'avait contacté aussi en même temps que toi pour essayer de le faire en direct. Alors, je précise pour les gens, tu m'appelles en direct le jour de la nuit finale de l'équipe de France pour faire un direct. Non! C'est ça. Non! On fait pas de direct à 1 heure du match de l'équipe de France quand même. Bah oui, mais on était en train de finir attaque massive, tu vois, il y a certaines. Ah non, mais je te comprends, mais bon. Et Quand oui, même. j'ai compris qu'effectivement. Donc du coup, je précise, c'est pour ça qu'on fait pas le live. Nous, on était chaud pour finir en live l'attaque.
Ouais, bah ouais, mais moi j'étais pas chaud du tout. Voilà. Ça, j'avoue que. On y va? Oui, allez, on y va, vas-y. Donc on précise, c'est impasse et c'est donc non, c'est attaque massive et c'est donc cette base hein, à détruire. Tout à fait. Cette Allez. base avec il faut vraiment de la chance. En fait, à 10, il y a très peu d'équipes qui ont réussi à finir un pass à 10. Oui, Parce parce que. que attaque massive, pardon. Parce qu'attaque massive, il y a souvent des bases qui ont soit beaucoup trop de vie pour se finir en 1, soit plein de boucliers et il faut utiliser beaucoup d'attaques pour réussir à la terminer. Donc là, je précise qu'on avait quand même été très chanceux au tirage, mais qu'on a en plus fait de belles attaques. Donc, parce qu'il ne suffit pas, des fois, il y a eu une ou deux fois, on a eu la possibilité de finir, on n'avait pas réussi. Donc là, on est content, on a fini et on a même fini en moins de 10 attaques. D'accord. Ouais, on précise que les tribus aident aussi un petit peu parce qu'il y a le dégât des Zuka plus 50% en ce moment, donc ça doit aider un petit peu aussi. Oui, ça Non. aide beaucoup. Voilà. C'est ce qui aussi motive à lancer l'opération au-dessus. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le même cas que nous, profitent des tribus intéressantes pour lancer des masses. Donc là, on voit Titan, Ouais. qui avait pas mal de points de vie, mais qui était assez simple, dans le sens où le haut du QG est bien dégagé. Donc on peut rentrer toutes les troupes sans problème. Le seul inconvénient, c'était le débarquement. Ah, parce qu'il y a beaucoup de lance-roquettes. Voilà, donc là, bébé qui maîtrise bien cette base, c'est lui qui allait dessus directement, en utilisant du coup deux fumées de plus pour pouvoir débarquer sans se prendre les tirs des LR. Là, on voit, il maîtrise bien la montée. Hein. J'ai un petit doute, je crois qu'il s'est trompé un peu sur la. Ouais, voilà, il a voulu assurer. Ça, cette fusée, d'habitude, on la place pas là. On la met plus haute, proche des EB. Parce que si tu la mets si basse, t'as le risque que les troupes vont tourner au dernier moment. Là, c'est ce qui se passe. Il a quelques Zuka qui Ah oui. rebellent. Donc du coup, là, déjà, il perd le délai. Et en plus, il perd une partie des troupes. Donc, comme les QG ont beaucoup de vie, tu as envie d'éviter ce genre de choses qui peuvent anéantir ton attaque, en fait. Alors, on freeze un petit peu tout et là, il a utilisé cri de guerre. Tout à fait. C'est Brick avec le cri de guerre. On peut utiliser trois héros là, j'imagine, en fonction de. On peut utiliser peut-être Everspark avec le sabotage pour saboter un Ouais. bâtiment, voire Bullet. C'est ça. Souvent, on utilise Spark sur cette attaque-là pour Spark les lance-flammes et les mitraillettes qui sont en dessous. Et du coup, ça protège un peu des lance-flammes. Mais là, il y avait des canons. Donc, les canons auraient détruit les troupes. Les défenses sparquaient un peu plus rapidement. Oui. Donc, je pense que c'était une bonne idée d'y aller avec Brick. Il y Ouais. avait combien de vie? Je me souviens plus. Tu m'avais dit que Ah, c'était incrusté. J'ai pas vu oui, l'incrustation. il faut réagir vite parce que l'incrustation part au bout C'était de. au début. Et D'accord. Tu peux peut-être juste cliquer sur la santé, statut Non, mais santé, comme ça je le je vais te dire. fais. Ah, Si ça marche, hein, voilà. Titan. 1,8 million, c'est presque 1,9 million. Donc pour le faire en un seul round, c'est C'est dur, avec hein? brick, Ouais. il faut brick forcément. On précise aussi que maintenant on a le brick avec le cri de guerre level 6, Oui. donc on gagne 5% en plus. Vous l'avez tous? Je crois qu'on l'a tous maintenant, ouais. Ah ouais. Ça aide. Oui. Parce que ça C'est le augmente la truc. vitesse de tir et puis ça augmente les dégâts en même temps. Oui, ça change la vie. Il y a plein d'attaques qu'on aurait ratées, qu'on a réussi grâce à ça. Enfin, Ouais. pas sur cette attaque-là, hein, mais de manière générale, c'est quand même un gros boost pour toutes les équipes, hein, je pense. Enfin, Ah je sais pas oui. si tout le monde l'a tout de suite. Alors tout Hein. le monde l'a pas tout de suite, je peux te dire. Moi je suis dans une team de 10 en ce moment sur un deuxième compte, tout le monde l'a pas. Hein. Mais D'accord. je suis chez French Forever. Et Ah tout le bon, monde l'a chez pas. FFE, tout le monde l'a pas? D'accord. Non, pas non. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. En fait, il faut garder des jetons et tout le monde n'a pas gardé des jetons. Et puis c'est. Comme toi, il y a des gens qui sont en vacances, donc voilà, ils sont un peu dans la difficulté aussi vis-à-vis de leurs joueurs habituels qui sont peut-être pas tous là non plus. Oui. Oui, c'est vrai que je t'avoue que sur les joueurs qui sont arrivés récemment, je ne sais pas en fait s'ils ont le cri de guerre au max. Ouais, Ça se trouve, voilà. c'est pas le cas. Ouais. On y va?
Ouais. Donc du Allez. coup, c'était Axiom. Donc justement, Seb, un des deux joueurs qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps. Donc là, je pense. Voilà, il démine, il y avait juste une mine. Ouais. Il débarque en bas. Et il y avait quand même un 2 millions, plus de 2 millions au QG. Oui, c'est beaucoup de millions. Ouais. Et je pense qu'il est en 5-5, non? Ah, tu as les en plus? Non, ça Non, c'était j'ai les trois pas. autres. Non, Ok. je suis désolé, j'ai pas les statuts d'attaque. Faut pas trop Ouais. m'en demander. Non, mais on pourra les regarder après. Donc là, une montée classique et une zone d'arrivée qui est quand même assez tranquille. Ouais, assez habituel en fait Oui. d'arriver là-haut avec les deux EB au-dessus, les trois LR à gauche. Donc ça c'est le truc classique. Et il y a là en plus trois LR en bas, c'est possible qu'il y en ait un des trois qui touche Ah, en je zone. pense, ouais, celui-là va toucher. Hein. Voilà, c'est ça. Donc du coup il a quand même un freeze en plus. Habituellement c'est que des fois il n'y a que deux freeze à faire. Donc là il y a les trois. On remarque qu'on perd souvent ces deux lance-flammes ouais, qui nous grillent quelques IK. Je sais pas s'il y a moyen d'éviter, ça arrive souvent. Alors, on précise aussi dans les tribus, il a pu refriser une deuxième fois un deuxième tour parce que les frises sont aussi moins chères. C'est vraiment tribu énergie de l'électrobombe moins 50% et dégâts d'Izuka plus 50%. Donc ça aide bien quand Ouais, là, il a pu faire 6 freeze alors qu'on peut, avec une montée telle qu'il a fait, c'est impossible, hein, sans ces tribus-là, de faire 6 freeze. Ouais, t'en fais que 3 quoi. Et puis éventuellement il aurait pu finir avec 4, des 4, bestioles 5. peut-être. Oui. Voilà, il aurait pu essayer de sauver le truc avec des bestioles. Mais 2 millions, il fallait qu'il puisse faire 2 tours. Hein, donc... Alors il est en, je pense, 6-4. 6-4. Hein. Voilà. Ouais. 6-4, il fallait vraiment les 2 tours pour pouvoir faire. Alors, en un seul tour, il ne pouvait pas faire les 2 millions. Ouais. Allez, on regarde. Alors là, tu peux voir les statuts. Donc lui, c'est 5-5. 5-5. Donc c'est Dragon qui est toujours en 5-5. Et ce qui est bien, c'est il joue aussi les French Forever. Et on voit passer souvent des vidéos de ses fails, puisqu'il se moque un peu de lui et tout. Donc là, on va voir qu'il peut aussi faire de très belles attaques. Peut-être pas chez FFE, mais en tout cas chez nous, de temps en temps, il fait des belles attaques. Parce que là, elle n'était pas facile non plus. Hein. Non, elle est pas simple. Il y a près de 2 millions aussi de vie au QG, hein, l'air de rien. Voilà. Il y avait une mine 22 qu'il a retirée aussi. Et il a laissé les deux mines à côté de l'EB, tu vois. Donc là, Oui, je vois ça, ces deux-là, là. la technique, c'est ce qu'il fait, c'est de placer la fusée entre l'EB et le super canon Oui. Et pour comme ça, monter comme ça un peu diagonale. les Zuka vont passer en fait entre les deux lance-flammes ici et vont être bien en file indienne. C'est ça. Et par contre, ils vont souvent déclencher une des deux mines. Et là, ça passe tout juste, c'est bien. Alors, triple fumée pour la zone d'arrivée, être tranquille. Ouais, on met souvent le fumi, le triple fumi sert aussi à lancer des bestioles dans le fumi derrière, c'est ce qu'il Oui, fait. et puis ça peut, Comme ça protège les mortiers. elle se déclenche juste avant les Zuka, donc du coup, c'est idéal, ouais. C'est ça. Et là, du coup, il a 4 freeze. Parce qu'il y avait un EB en moins par rapport à d'habitude qui est souvent en bas. Oui, qui est par là, là. Ouais, c'est à la place du Enfin, canon, plus exactement. par là, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est une technique connue, ça, les bestioles sous fumi, et le fumi va être le premier à sortir, en fait, le premier à être découvert. Donc, c'est les bestioles qui sont les premières à être découvertes. Donc, c'est les bestioles activent les défenses, et les Zuka sont encore sous fumi pendant une demi-seconde, une seconde, et donc, elles sont protégées des premiers tirs. Et tous les bâtiments, en fait, se sont concentrés sur les bestioles. Ouais, c'est une attaque qu'on peut faire aussi, une technique qu'on peut faire sur Crow, le finish sur Crow par exemple. Si on veut le faire en full Zuka, on met une fumée devant et après les deux autres pour les Zuka. Donc ça permet de mettre des bestioles dans la fumée et on est sûr qu'elles vont sortir juste avant les Zuka. Plutôt que d'essayer de faire le timing parfait de lancer les bestioles pour qu'elles arrivent au sol au moment où les Zuka se découvrent. Ouais. Donc quand on débute, c'est bien hein, comme technique ça. Ouais. On fait Phobos maintenant. Alors Phobos, là encore, les statues, c'est Il est en du 5-5 aussi, QSD, 5-5. 5-5. Hop. Enfin, Dragon et QSD sont deux joueurs qui jouent tout le temps en 5-5. Donc ils ont l'habitude. Ouais. Puis là, Et en vous? plus, il y avait le bonus des freezes, donc c'était vraiment cadeau.
Et par contre, là, je crois que voilà, tu as une Infobos avec 2 800 000 quasiment. Ah, c'est énorme, hein. Énorme. Logiquement, tu le finis pas, ça. Hein. Non. Après, il faut regarder en haut, il n'y avait pas énormément de frise. 1, 2, 3. La Je pense que c'est ça. mitrailleuse, elle peut être éventuellement frisée en même temps que les autres, mais ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, là, il a déminé pour monter. Il va réussir à monter entre les LR et les EB. Il y a deux spots hein, pour cette attaque-là. Ouais, la Ouh là mitrailleuse là! qui détruit Ah, quelques là, oka. Hein. ouais. Là, c'est ce genre d'attaque où il faut réussir à garder son sang-froid parce que tu as perdu plein de troupes. Tu te dis, c'est 2 millions 8, jamais je vais y arriver. Ouais. Tu as des joueurs qui abandonneraient, ils lâcheraient leur tablette et ils partiraient se cacher. Et il a perdu en plus quelques oka sur une des super mines. Alors, c'est une super mine, hein, c'est pas. Donc Mais là, bon, là. il arrive tant bien que mal là-haut. Ouais. Et du coup, là, il a bien gardé son sang-froid. Alors là, Focus du lui. QG. Des bestioles sur les canons. Et il freeze. Trois freezes uniquement. Donc, effectivement, tu as raison. Il a perdu 2-3 zookas encore. Mais il s'est mis bien bas. Donc, il était loin de la mitraillette. Hein. Oui. Et là, il a pu faire 6 freezes aussi. Ouais. Ouais. Et ça se termine quand même tout juste, hein. Ah On oui. sent que là, les oukas, elles ont du mal à finir. Il n'y a plus cri de guerre, il y a plus, il y en a quelques-unes qui sont parties en plus avec les canons et les super canons. Et 2 800 000 quand même. Ah oui, non, mais attends, respect, hein. Chapeau. Je ne prononcerai pas son pseudo, mais respect. QSD. Ouais, QSD, c'est un peu. QSD. Ou la ligne du milieu sur ton Ouais, clavier. je connais, ouais. Mais. Il peut renommer son compte, hein, mais il faut pas. Ouais. Bah autant le faire plus tard possible, ça, parce qu'une fois que t'as renommé, tu peux plus le refaire, quoi. Il y avait des gens qui espéraient avec la dernière mise à jour qu'on puisse renommer à nouveau en échange de diamants, je crois. Bah ouais, ce serait bien. Mais C'est ce non. qu'ils ont fait dans d'autres jeux Supercell, apparemment. Mais là, non, c'est pas le Ouais, je crois Clash cas. Royale ou je sais plus lequel, j'y connais pas, Ouais, je crois mais. que c'est ça. Ouais. C'est pas Clash Royale. Du coup, là, on a Roms, donc Romain, Alors qui là, lui a renommé son compte en Gotaga. d'accord. Là, c'est Javanaise et Javanaise, il a été fait en 3 fois, mais bah, on va voir la base. Hein. Oui. Donc c'est une javanaise assez classique. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'énergie à gauche, là, comme il est Ouais, en train ouais. de faire, pour pouvoir faciliter, bah, prendre plus d'énergie. En fait, ça baisse la vie du QG et ça donne des points supplémentaires pour freeze en haut. La particularité par rapport à la javanaise de base, c'est qu'il y avait un grappin en bas à droite sur la plage. Donc c'est un Ah peu oui, ici, là. gênant. Si on veut pas perdre le héros bêtement, du coup, on est obligé de faire attention. Et là, déjà, il n'a pas pris toute l'énergie. Il aurait pu prendre beaucoup plus d'énergie. Ouais, surtout qu'il est le premier à attaquer, donc c'est le premier, c'est toujours un peu plus dur parce qu'il faut quand même un peu déminer, il faut un peu Ouais. faire le travail Après, pour les lui, je autres crois que derrière. lui, sur Javanese, il utilise un chemin différent du reste du monde. En gros, il utilise un chemin différent du mien. D'accord. Et donc, il démine pas. Il va passer un peu plus à droite. Il n'a pas besoin de déminer. Donc là, Il n'a le pas envoyé des héros barres. est sauvé. Le héros a survécu au grappin. Ouais. Ouais, là, Donc, il a il fait utilisé. le grand tour, quoi, lui, hein, pour éviter les Ouais, mines, hein. c'est ça. Après, j'imagine, il voulait finir en 1, sinon il aurait cherché à déminer pour les copains aussi, peut-être. Ouais, bah, je crois que c'est ça que on verra, mais la deuxième personne qui a attaqué, c'est Yuki. Je crois qu'elle a dit, ah oui, mais il n'avait pas déminé, j'ai essayé de prendre le même chemin que lui, et du coup, ça n'a pas marché. Ah bah voilà. Là, il y a peut-être quelques oukas, non? Ouais, qui risque de sortir. Ah bah non, ça passe tout juste, tu viens. T'as pas Maîtrisé, perdu de hein? délai. Ah, là, il a perdu le délai sur le dommage. Par contre, tu vois, il y a des mitraillettes en plus. En haut, qui sont pas là habituellement, donc ça va demander un freeze de plus. Donc là, il est sur 4 freezes minimum. Il va même en mettre 5. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit, il rate une des 5 mitraillettes en haut. Celle-là, là? Ouais, C'est elle a fait du mal, hein. celle-ci qui a fait mal.
Ouais, parce Cette que partie. en fait, il n'était pas simple ce freeze-là, parce qu'il faut quand même freezer cette mitrailleuse-là sans freezer les Zookas, et puis il y a 5 freezes, donc quand tu as 5 freezes à faire, c'est toujours plus compliqué, hein, tu peux moins C'est ça. ajuster. C'est ça. Il fallait bien cliquer sur celle du milieu, en fait, pour les avoir les Ouais, 5. celle-là, là. Ouais, On va exactement. revoir tout de suite, hein, puisque j'imagine il y a d'autres attaques sur Javanese, on les fait tout Ouais. de suite. Donc là, tu nous as dit un autre chemin. Bah, normalement, oui, elle connaît un autre chemin, donc elle aurait dû faire le chemin qu'elle connaissait, c'est ce que je lui ai dit. Mais elle a voulu. En fait, souvent, quand quelqu'un est déjà passé, on a envie de faire la même chose, en Oui, fait, juste en ouais. faisant. Donc là, c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu faire exactement la même chose. Sauf que je crois que ça s'est pas bien passé. Bah, le passage du haut avait l'air très tendu, donc si tu maîtrises pas, ça peut être très compliqué en fait. C'est ça que je conseille souvent de faire ce qu'on maîtrise. En fait. Les montées qu'on connaît, on les réappliquer et de s'entraîner en faisant des Zelps dans Oui, d'autres c'est ça, équipes. tu t'entraînes en faisant des felles chez les autres équipes, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais, je sais qu'à une époque, chez Sud Army, on avait quelques helpers qui venaient. Maintenant, on est tout le temps complet, mais et c'est vrai que je leur disais, mais assurez, 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 mais ils Parce trouveront que toujours les, des en fait, trucs. ils sont. Bah oui. Mais en vrai, faut les comprendre aussi. Ils sont Ah, là bien sûr. pour s'entraîner. Moi, je considère les ailes plus comme des attaques bonus, d'une certaine manière. Ouais. Ah, j'imagine toi à ton niveau. Ouais, là, elle a perdu quelques zookas quand même déjà. Ouais, elle a raté, tu vois, le passage en diagonale qui était compliqué. Ouais. Du coup, elle a perdu le délai, donc il faut qu'elle freeze tout Ah, et puis la rapidement. mitrailleuse là, qui Aïe, aïe, pardonne aïe. pas en Tu vois, plus. c'est ça, Ouais. voilà. Pareil, le même freeze, mais raté de l'autre côté, qui est encore plus dramatique, puisque là, celle-ci, elle touche toutes les Zookas. Donc là, 3 secondes d'après, il n'y a plus personne. Et puis la mitrailleuse fait des dégâts immédiats, quoi. C'est pas. Et surtout sur attaque massive, tu vois, elle tue les Zookas en un seul coup. Donc tu peux même pas espérer mettre un soin pour réduire un petit peu les dégâts. Ça va vite. Ouais, alors dernière attaque du coup. Donc Poenon. Ça content si j'ai vraiment bien prononcé son nom. Voilà, et lui il démine et il va faire, je pense, le chemin dont on a l'habitude. Ah, il n'y a plus trop, mais il y a encore quoi, un petit peu Ah, de vie au QG, hein. Il doit rester oui, 300 000 quoi. oui, c'est ça, il peut pas en fait juste artiller le QG là. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'il reste plus rien, mais comme à la base il y a déjà 2 millions de points de vie, au final il reste quand même au moins 200 000 ou 300 000. Donc là, on a le passage plus classique que tout le monde utilise et qui est a priori plus simple aussi, hein. Bah, c'est Donc plus direct. voilà, on est Moi j'aime plus en bien ligne les chemins qui droite. sont un peu en ligne droite. Ouais. Par rapport à lui, j'aime bien lancer une fusée un peu plus proche de la plage pour bien regrouper les Zookas qui montent plus près. Ouais. Aïe, ouais, c'est une petite mine. Il avait vérifié que c'était pas une mine 22 avant. D'accord. Comme on joue pas, on joue. Enfin, il n'y a personne qui joue avec une santé. Du coup, il faut faire attention. Ouais, j'imagine, tu contrôles toutes les mines en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Celle que tu peux éventuellement prendre avant ton attaque, tu vérifies bien qu'il n'y a aucune mine 22. En fait, moi je sais pas, mais quand t'as une mine 20, 22, toutes les autres sont 22. Quand t'as une mine 21, toutes les autres sont Non? 21. Non, 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 ça change. D'accord. Faut faire attention. C'est pas comme les bases des joueurs où toutes les mines sont du même niveau. Les bases sur les opérations, toutes les mines ne sont pas forcément du même niveau. Ah ben là, j'ai appris un truc, tu vois, je savais pas du tout. Du coup, je check vraiment toutes les mines que je pourrais me prendre et je retire que les 22 en général. Tu peux marcher sur toutes les autres. Ouais. Donc Javanese en 3, ça aurait pu être a En 1, priori fait en 1, mais bon, c'est voilà, ça. hein. Bah, idéalement, quand on a lancé l'opération, on a fait, oh, on va faire attaque massive en 7. Mais bon, après, déjà qu'on les finisse, on est très content. J'imagine, ouais. Donc là, il y a Orbifold. Oui. la noix. Ben, que les gens aussi connaissent, je pense, sur BBF, donc qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, et qui est notamment là pendant les vacances de Juju. Donc j'aime bien me moquer de Juju quand t'es passé pour dire Ah bah tu vois, depuis que t'es pas là, on réussit mieux que toi.
Alors un débarquement un peu plus compliqué. Là, on a vu des débarquements plutôt simples jusqu'à présent. Celui-là est un peu plus compliqué quand même. Il y a un laser qui peut être un peu méchant. Il peut quand même passer par la gauche comme il fait, Oui, débarquer oui. par la gauche pour éviter les LR et le laser. Et il y avait aussi 2 millions hein, au QG, donc c'est pareil, c'est le genre d'attaque où tu la moindre erreur fait que tu vas pas la finir en 1 et du coup dans les équipes de 10 ça coûte cher. Ah oui, toute erreur dans une équipe de 10, c'est assez catastrophique, hein. Juste. Parce que là, il y a en plus un laser qui vise, C'est ça, c'est ça. qui attend que l'erreur, hein. Ouais. Alors, il met qu'un seul fumi sur la zone Un seul fumier d'arrivée. de On n'a pas vu ce qu'il faut friser, j'imagine. Les lance-roquettes sont pas à friser. Le laser n'est pas à friser si on n'envoie pas de bestiole. Mais ça, il le sait pas forcément, parce que nous, on le voit, mais lui, il le voit pas Enfin, j'espérais qu'il forcément. avait vérifié avant, en fait. Et non, il a frisé tout, en fait. Il a tout frisé par Ça, prudence. ouais, pas prendre de risques. Parce qu'il suffit qu'il y ait une petite zoukette qui sort, Ah qui se mette ouais. à portée du laser et c'est catastrophique. Oui, parce que là, ça joue à rien, hein, vraiment. Tu peux pas le Je vérifier pense parce que. que. Oui. Oui, lui, il ne peut pas le savoir au moment de Oh son attaque. non. Non, non, d'autant Il qu'il y a sait. les Zoukas les plus proches qui étaient proches du laser et ils ont été tués par les canons. Sinon, t'es encore plus proche que ça. Hein. Ouais. Donc, Même ouais. avant qu'il focus le QG, il y en avait qui étaient vraiment dans la zone. Donc. Quasiment, ouais. Bon, belle attaque Très belle attaque. encore. Et on a encore deux, une map à voir, c'est Minotaur. Donc, Oui, on a tout fait déjà. Ça va vite hein, quand ça va il vite, ouais. y Et puis, je a. vois donc finalement 9 attaques pour cette base. Donc, y a une attaque en rab. Oui, y a... bah, j'ai pas attaqué en fait sur cette Ah! opération. Ils m'ont laissé me reposer. Et puis là, on voit l'attaque en cours qui est en train de se terminer. Donc, ça se passe bien. Il Mais reste attends. 5. Oui. Ah oui, moi j'ai pas attaqué, ils sont en train de finir toute la base sans moi. Écoute, il reste 5 attaques. Si tu veux, t'attaques en direct. Si Boomville n'est pas fini. Parce que j'aime bien moi le finish sur Boomville, mais bon, moi je verrai après. Donc là, Minou, oui, attends, parce que c'est quand même, je pense, la plus belle attaque de la soirée. Qui était vraiment. Il y avait aussi. Il n'y avait pas beaucoup de vie à celle-ci, mais d'habitude, il Mais n'y a pas tous ces LR partout là. il y en a quelques-uns, hein. Et puis même sur le débarquement, Ah là, c'était. Ouais, tu peux pas ça faire la t'emmerde quoi. technique. Sur Minotaur, j'aime bien la petite technique en escalier là, où tu pour éviter le mortier. Où tu débarques un coup à droite et tu reviens à gauche pour passer sous le mortier. Là, avec le LR devant la plage, c'était pas possible. Donc du coup, il a déminé là-haut. Ouais. Et il monte avec Bullitt. Et Bullitt va être frisé pour essayer de détourner les lance-roquettes, j'imagine. On C'est imagine s'il ça. a pris ce héros-là. C'est ça. C'est une technique qui maîtrise bien Alex. Donc quand on a les bases comme ça avec Bullitt, c'est vraiment son héros préféré, donc souvent on lui laisse. En fait. Là, regarde, c'est très risqué ce qu'il Ouais. fait. Il met qu'un seul fumi qui est juste avant la fusée et C'est il se impressionnant. replace toutes les Zoukas dans une seule fumi. Ouh là là. Ah, regarde, c'est millimétré. Millimétré, ouais. Et là, t'actives cri de guerre et tout le monde se concentre et il a frisé derrière les lance-roquettes qui pouvaient le toucher. Et Ouais, et les ceux-là, mitraillettes aussi. Les mitraillettes touchent les celle-là, Zoukas, ouais, très juste. la première ligne. En plus, il Impressionnant. fallait avoir le mortier aussi, parce que la portée de Bullitt, c'est 6 cases, donc il détournait que les deux mortiers du haut, pas celui du bas. D'accord. Ouais, et puis ce qui est le plus compliqué, je trouve, dans cette attaque, c'est finalement d'arriver à ce que le héros soit suffisamment devant pour pouvoir le friser sans friser les Zoukas, mais pas trop devant non plus pour que les Zoukas soient pas Tout trop à à la fait. traîne et arrivent trop en retard. Ouais, ça, il faut bien s'entraîner sur les montées, ça dépend de jusqu'où on monte pour savoir quand est-ce qu'on débarque le héros. Notamment Oui. avec Brick, souvent avec Brick on n'a pas besoin qu'elle soit en avance, et du coup on veut la débarquer le plus tard possible pour qu'elle rattrape les Zoukas et qu'elle ne soit pas en avance. Et avec Bullitt on veut gagner un peu de temps et débarquer un tout petit peu avant. Ouais, j'imagine aussi que l'avant-dernière fusée est très importante. Oui, si tu le Ah. montes avec une fusée intermédiaire, c'est plus facile à faire parce qu'il suffit de placer la fusée Voilà, intermédiaire. c'est celle-là qui est importante en Ouais. fait, parce que là, Celle-ci. tout le monde se regroupe et là, il renvoie à. Celle-ci notamment, elle est un petit peu, pour mon opinion, elle est un petit peu haute. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace entre l'avant-dernière et la dernière. Et il fallait qu'il la renvoie suffisamment vite parce que s'il attendait que toutes ses Zoukas aient rattrapé Bullitt, Bullitt n'aurait pas été très,
très en avance. D'accord. Là, c'était Super. vraiment millimétré. Super attaqué. Super, donc attaque massive en 9 attaques. Est-ce qu'on regarde Boomville? Alors, je Allez, sais, tu veux la terminer plutôt, et là, elle se termine pas encore, puisqu'il reste des boucliers. ouais, on avait là, on va comme s'il restait 5 attaques, du coup, on fait la Il reste technique. 4 attaques. Ouais, 4 attaques, mais il y a eu une ouverture, donc il y avait 5 attaques pour finir Boomville. Du coup, on va pas prendre de risque. Et plutôt que des fois, on essaie souvent Boomville en 2. Ouais. Mais là, elle était très dure parce qu'il y avait des LR au niveau du QG. Ils en ont détruit 2 sur les 3, là, il en reste 1. Ah, ici. Il y a le Donc laser ceux-là qui gêne sont. pas trop. Non, ça va. Et du coup, ces LR en plus gênent pour pouvoir faire Boomville en 2. Et par contre, il n'y a pas les électros là, c'est toujours un avantage. Ouais. Mais Et du coup, bon. là, l'idée, c'était de dégager. C'est la première attaque qu'il a fait, donc de dégager les boucliers à gauche et d'aller avec Spark retirer des LR sous le QG. Oui, en fin d'attaque, j'imagine, ou en début Ouais, en d'attaque. fin ou en début, ça dépend des préférences des joueurs. Moi, j'aime bien en fin. Ouais, moi aussi. Après, des Mais. fois, c'est pas possible, mais. Ouais. Et le risque quand tu. Donc là, il l'a fait en fin, tu vois. Le risque quand tu fais en fin. Attends, je regarde du coup. Il faut bien qu'il monte bien haut. Voilà, il focus la mitraillette. Qui est la seule défense qui peut toucher les grenadiers à cet Ouais. endroit-là. Alors là, il est un tout petit peu plus bas. Il aurait pu monter un peu plus haut, en fait. Bon, du coup, ça suffit. Voilà. Ah, c'est bizarre, c'est qu'il est monté avec Spark. Ah, c'est étonnant. Ben moi, c'est ce que je fais dans ces cas-là parce que Spark finalement se trouve assez plus proche des lance-roquettes et donc t'as moins de fumier à utiliser et puis t'as pas de problème de mine. D'accord. Ouais, effectivement, moi j'aime bien le faire en deux temps parce que je mets aussi des grenadiers en bas à droite. En fait, une fois que la fusée s'est éteinte Par sur les là. boucliers, ouais, je débarque des grenadiers en plus. Comme ça, le temps que les grenadiers à gauche finissent les boucliers, ceux du bas tirent sur les mitraillettes. On voit, il marque les lance-roquettes. Là, il prépare déjà la suite de l'attaque. Il démine pour les suivants, ça c'est pas pour lui, hein, c'est pour les suivants. L'idée, c'est que le suivant va monter à droite là, pour faire les boucliers avec des carvaux. Donc là, il reste un bouclier à faire. Éventuellement quelques points de canonnière à prendre s'il a le temps. C'est ça. Il faut qu'il regarde le temps. C'est le genre d'attaque, il faut surveiller le temps parce que tu ne veux pas rater la fin de ton attaque en finissant trop tard. Donc là, il lui faut, je pense, une bonne minute pour aller faire les LR. Oui, d'autant que Une s'il veut transition. essayer de faire les 3 à la base, il faudra qu'il utilise un fumier de plus, donc c'est 10 secondes de plus. Voilà, là c'est bon, il a Voilà, c'est fait le bon. bouclier, il s'avance. Ouais. Là, il se regroupe vite. Donc là, c'est. D'une certaine manière, c'est Grenadier, il s'en fiche. Hein. Tout ce qui compte, c'est Spark, à ce Bien sûr. moment-là. Et à la limite, les grenadiers, tu préfères les voir mourir, hein. Ouais. Et parce que là, du coup, tu es obligé de faire ce qu'il fait, une fusée intermédiaire. Mais là, tu vois, c'est avantageux parce que Spark est protégé aussi par les grenadiers un petit peu. Même tu peux ne pas utiliser un fumier, je pense, ça passe aussi, quoi. Ça te permet Ouais. d'économiser un fumier éventuellement. C'est ce qu'il fait là, il a des petits trous dans ses fumis et Spark survit. Il a réussi à tuer ses grenadiers sur le chemin grâce à ça. Et tu vois, ça utilise moins de fumier, t'as pas de problème de mine. Je trouve ça. Ouais, Après, non, faut le c'est réussir, un. hein, mais. Ouais, non, c'est pas mal. Voilà, oh c'était risqué ce qu'il tente encore. Et puis finalement, ça prend moins de temps. Non, c'est bien ça. Mais par contre, il peut pas déminer le bas, du coup. Oui. Ah, c'est bizarre, il a pas essayé de. Il a fait en double, hein. Peut-être il avait plus de points de canot, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, déjà, c'est très bien, il vient de retirer deux. Il a dû finir. Il a dû finir. Alors oui, il lui reste les grenadiers en Ah, bas, je me voilà. disais. C'est curieux, Ouais. ça s'arrête pas, il reste 11 secondes. Il avait ses grenadiers en bas et du coup il a bombardé après ici et puis il a dû bombarder un peu celui-là pour le finir parce que j'ai vu qu'il était plus affaibli que ça tout à l'heure. Ah non. D'accord. Bah non. Non. Bon, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ouais. Ce qu'il aurait pu faire en fait ici avec les deux grenadiers du bas, c'est les envoyer quand il tapait les boucliers parce que t'envoies plus de fusée éclairante, donc dès que la fusée éclairante s'arrête, tu peux Voilà. peut-être débarquer en bas et puis c'est pas Ouais, grave. Hein. c'est ce que je fais moi, effectivement, mais quand j'utilise Spark à la fin. Mais du coup.
Bon bah on a fait donc on a Très bien. regardé surtout surtout donc attaque massive fait en 9 attaques chez DFDTZ. Une autre attaque massive qui a été un peu moins facile hein, parce qu'il y avait des bases plus dures tout simplement, mais qui a quasiment rapporté autant de points qu'un impasse. Donc c'est pas forcément une mauvaise affaire. Hein. Oui, non, non, Une fois ça tu marques complémente. 1600 points, une fois tu marques 1200 là, tu perds Ouais, bon, 50 points, c'est ça, pas grave. tu utilises plus de renseignements quand même pour lancer aussi. Ah oui, ça Et, c'est clair que. enfin, attention à ça, surtout pendant les vacances, tout le monde n'est pas là. On est un peu plus limite en renseignements. D'ailleurs, tu vois, il n'y a plus que 91 renseignements là, donc la prochaine opération, il faut que Faut que tout le monde ça soit carbure riche. un peu. C'est ça. Ok, très bien. Je sais pas s'il Pas me reste mon grave. coffre. Si... Ah non, il me reste plus mon coffre, sinon je vous l'aurais laissé. Ah, c'est gentil, non, non, t'inquiète pas, on a d'autres comptes. Notamment, D'accord. j'ai mes comptes chez Athéna, qui est chez la team Green Power. Oui. Et j'ai mes petits comptes qui sont là-bas, et du coup, de temps en temps, je dis, ah, j'ai besoin de renseignements, hop, elle me laisse sortir de l'équipe pour aller faire mes renseignements dans l'équipe. D'accord, très bien. Bah écoute, merci de nous avoir accueillis. Et puis on garde l'idée de faire un direct. Hein. Mais pas Ouais, je dimanche. pense. Ah, dimanche à 5 h, j'étais disponible, c'est dommage. Dimanche, c'est bah, on est tous derrière l'équipe de France. Et j'espère qu'on gagnera. Je pense qu'on diffusera la vidéo après la finale d'ailleurs, parce que vendredi soir, j'ai un direct, donc on diffusera peut-être après. Je te Ok. remercie de nous avoir accueillis. Ouais, bah merci à toi, c'est cool, hein. Merci de tout ce que vous faites avec VBF, là, c'est vraiment bien. Ça permet de voir un peu les autres équipes aussi. J'avais regardé justement les streams des équipes de 5. Ouais. On va essayer de Parce faire que bon, les teams de 25 aussi, mais bon, c'est un peu plus long à faire parce qu'il y a plus plus d'attaques. d'attaques. Ça peut être sympa aussi, mais c'est vrai que les teams de 5, c'était très sympa à regarder aussi, hein. Ouais. Et peut-être les teams aussi de 50 sur Duplexity, je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui lancent actuellement sur Duplexity. Je crois qu'il y en a une qui lance sur Duplexity, donc on verra peut-être. Ce qu'on a aussi comme idée de faire, c'est essayer de tourner entre plusieurs teams pour faire toujours la même map. Et voir Mais comment les alors. gens font la map. Ouais, pour voir par exemple, tu vois. Alors après, il faut un petit carnet d'adresses, hein, mais dire bah, tout le monde a fait javanaise, tous ceux qui ont fait javanaise, ils nous accueillent dans leur team et on fait comme ça, sur le même soir, 5-6 javanaises, ça peut être sympa aussi. Après, voilà, c'est pas évident, c'est compliqué après d'inviter tous les capitaines en audio parce qu'il faut changer de capitaine. Bon, c'est un peu compliqué. Mais enfin, c'est une idée. Bref, bah, je te remercie de nous avoir accueillis. N'oubliez pas dans les petits commentaires de dire bravo à DFDTZ. Éventuellement, s'ils ont besoin de renseignements, que vous les connaissez en ce moment, vous avez dit que c'est un peu dur, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, bah, je te remercie pour l'accueil. Bah, On dit au revoir? merci. Au revoir, au revoir. Bonne Au soirée à tout le revoir. monde. Bonne soirée.